Bonjour, je m'appelle Félix, j'ai 12 ans. Je fais du vélo de montagne depuis beaucoup d'années, depuis l'âge de 7 ans environ, puis je trouve ça vraiment cool. En vélo de montagne, il y a différentes disciplines. Il y a la descente, qui est vraiment seulement de descendre le plus rapidement possible dans les côtes. Et puis, il y a aussi le cross-country. Le cross-country, ça se fait sur des sentiers, puis c'est vraiment des distances à parcourir dépendant des catégories. J'aime bien les monter. Je trouve ça cool parce que toutes les autres trouvent ça épuisant, mais moi, j'ai pas mal de facilité là-dedans. Puis aussi, l'adrénaline, puis tout en descente, puis tout. Pas mal tout, en fait. Les jeunes qui s'intéressent au vélo de montagne sont souvent un peu casse-cou au départ. Alors, ils aiment descendre, ils aiment faire des sauts avec leur vélo, ils aiment lever la roue avant, ils aiment faire des slides avec la roue arrière. Fait que ça, c'est ce qui attire les jeunes au départ. Puis ensuite, à un moment donné, ils sont très surpris de savoir qu'en vélo de montagne, il faut aussi monter des côtes. Alors là, on va avoir des jeunes sportifs. Ils deviennent très, très habiles sur les vélos. Puis à un moment donné, le jeune qui aime se dépasser, il va probablement aimer s'entraîner en vélo de montagne. C'est sûr que c'est difficile quand il y a beaucoup de racines puis beaucoup de boîtes parce que direct, quand tu piles sur des racines, tu vas glisser comme un fou, là. J'aimerais bien faire les Jeux du Québec, mais j'aimerais vraiment avoir au moins une position dans le top 3 parce que c'est important là. J'aime vraiment ça, puis j'aimerais au moins avoir une bonne position.